au Barça, il fut le lien merveilleux, si ce n'est autre que parfait, d'une équipe sans cesse remplie de talent. Alors certes, il n'avait pas la folie de Messi balle au pied, il défendait et organisait moins bien que Busquets et Xavi, ne détenait pas la folie de Dani Alves ou Laura de Puyol, mais Iniesta était celui qui jouait le mieux au football. Car oui, ce petit bonhomme d'1m70 possède avant tout une certaine idéologie du football. Une vision de jeu extraordinaire que seuls les puristes, capables d'admirer autre que les highlights des plus grands danseurs de Joga Bonito, savent apprécier. C'est un euphémisme de dire qu'Andrés Iniesta est un joueur à part. Un homme intuitif qui sait caresser le cuir à sa convenance. Un maestro qui mesure l'espace-temps. Qui sait quand il faut aller de l'avant et quand il faut repasser à l'arrière. Qui sait quand il faut mettre de la vitesse dans les transmissions. Ou au contraire, temporiser et calmer le jeu.